Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, nous allons filmer une revue d'une marque que vous connaissez sûrement qui est là. Effectivement, voici le résultat sur mes cheveux. Je vais rentrer beaucoup plus dans les détails. Donc j'ai fait une coiffure genre comme ça. Je sais pas si vous pouvez voir. Donc j'ai fait en fait deux couettes derrière et j'ai juste laissé tous mes cheveux devant en mode. La fille qui sait pas avoir mon côté. Anyway, c'est bref. Donc, la marque dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est de la marque As I Am et c'est la nouvelle collection. Donc, effectivement, j'ai déjà l'ancienne collection qui est extraordinaire. Et là, je voulais vraiment vous parler de cette gamme-là. Donc, je les ai achetées en magasin, par contre, cette fois-ci. Donc, je ne l'ai pas commandé sur un site. Et ça m'a coûté 12 euros. Et ça m'a coûté 13 euros. Donc, en tout, j'en ai eu pour 26 euros et quelques. Et comment par rapport à si je l'avais commandé en ligne, ça m'aurait coûté beaucoup plus. Donc, dans tous les cas, bref, je vais commencer dans un temps de vous parler de. Oh my god, my hair. De vous parler de le leave-in conditioner. En fait, cette gamme, déjà dans un premier temps, donc elle vient avec plusieurs, mais vraiment plusieurs. Elle vient avec plusieurs produits. Elle vient avec un shampoing, un après-shampoing, le leave-in. Ensuite de l'huile, puis le edge control et comme j'ai dit, ça et le co-wash. Donc elle vient avec six produits, je crois. Donc déjà, moi je vais vous parler de ces deux produits, qu'est-ce que c'est vraiment les seuls que j'ai. Peut-être plus tard, je testerai le co-wash parce que j'ai vraiment envie maintenant de commencer à tester tout ce qui est co-wash, etc. Je pense qu'il y a un masque, je suis vraiment pas sûre, mais je n'ai pas besoin de masque en ce moment, donc c'est pas ma priorité. Donc je vais commencer déjà dans un premier temps de parler de cette gamme en général. Donc là, c'est la gamme Pomegranate and Passion Fruit, d'accord? Donc Pomegranate, je mettrai le nom ici en français parce que je me souviens pas du tout. Grenade, je sais pas si c'est la même chose. Et du fruit de la passion, ok? Donc ça, c'est les deux ingrédients qui sont dans ce produit-là, les ingrédients principaux qui ressort. Bien sûr, là, j'ai appliqué dans un premier temps le leave-in. Attends, je vais essayer de mettre la vidéo ici où vous pouvez voir, donc laisser un peu d'espace. Donc, excusez-moi si je mets du noir sur du noir au fond, hein, excusez-moi. C'est juste, bon, il n'y a pas de raison pour cela, c'est juste, je filme là où je peux. Voilà. Donc, ce produit-là, ce leave-in conditioner, c'est pour les cheveux 3 à 4. Donc pas 2, pas 1, c'est vraiment pour les cheveux 3 à 4, ce qui est super parce que c'est très. J'aime beaucoup en fait les marques qui précisent exactement qui peut utiliser ce genre de produit. Donc ce leave-in en fait c'est à base, c'est la gamme Long and Luxe. Ok, c'est Long and Luxe. Donc Long et Luxe en français si on traduit à la lettre. Et là c'est le Grow Yogurt Leave-In Conditioner. Ce produit, en fait, on vous dit de l'appliquer, is wet combined. Donc, c'est une texture assez différente. Je trouve que comparé à l'autre leave-in de la marque As I Am, je préfère ça. Pourquoi? Parce que c'est crémeux. Ils disent que ça réduit les nœuds, ça joue sur ça améliore, comment dire, combine damage. Ça essaie de réparer tout ce qui est à tous les cheveux abîmés. Ça strengthening hair for long. Donc ça renforce les cheveux. Donc ce produit en fait c'est sans gluten, sans parabènes, sans phtalates, j'arrive jamais à prononcer ce mot, sans pétroleum, sans huile minérale, sans DEA, sans lye, sans lysine sulfate et pas testé sur les animaux. D'accord? Alors, les ingrédients dans ce produit, elle est super. Par contre, je dis déjà, si vous êtes sensible à tout ce qui est protéines, c'est pas trop pour vous parce qu'il y en a dedans, mais pas beaucoup. C'est vraiment le Hydrolite Lupine Protein cette fois-ci. Il y a du caféine, il y a biotine, etc. Donc il y a vraiment pas mal d'ingrédients. C'est pas. Je pourrais pas vous dire si c'est 100% à voir, faire vos recherches vous-même, mais franchement, ce produit, dans mon cas, pour moi, je trouve qu'elle a vraiment fait son travail. Mes cheveux ont l'air, mais quand je vous dis, mais hyper hydrater les filles, mais c'est incroyable quoi. C'est pas la première fois, ça c'est la deuxième semaine que je teste ce produit, donc j'ai fait exprès. Je voulais appliquer un autre produit sur mes cheveux, mais j'ai dit c'est quoi, je teste ça en fait. Donc là c'est juste le leave-in. Donc après avoir fait mon shampoing, fait tout ça, j'ai appliqué ensuite ce produit sur mes cheveux et franchement
Exactement, ça a fait son travail, franchement. Ça a fait exactement ce que ça disait. Ça a bien hydraté mes cheveux. Mes cheveux avaient l'air mais hydratés. J'arrivais à démêler mes cheveux avec. Et aussi, ça sent super bon. Oh mon Dieu, franchement, ça sent divinement bon. On aurait dit, mais un smoothie, t'as juste envie de le mettre dans un verre et de le boire, quoi. Et c'est hyper crémeux. C'est vraiment crémeux, mais crémeux, crémeux. C'est vraiment, franchement, c'est super. Je dis que ce leave-in-là, si vous devez acheter un produit de la gamme, n'hésitez pas à acheter le leave-in parce que je trouve que ça fait son travail. Ils disent que vous pouvez l'utiliser avec différentes choses. Donc, vous pouvez l'utiliser avant le gel ou avant le smoothie. Donc, ça veut dire qu'il dit gel, il n'y a pas de gel dans cette collection-là. Par contre, il y en a un dans l'autre collection. Donc, ce leave-in, franchement, je trouve qu'elle est super. Je la recommande à 100%. Et c'est vraiment pas mal. J'ai vraiment hâte. J'ai hâte. Je suis très contente d'avoir acheté ça. Ensuite, le deuxième produit que j'ai appliqué, donc après avoir appliqué le leave-in, etc. Donc, j'ai mis tout de suite ça sur mes cheveux. Et là, c'est le Curling Enhancing Smoothie. Et c'est encore une fois, ils disent précis sur les cheveux 3 et 4. Et ce leave-in, franchement, ce Curl Enhancing Smoothie. Donc, Curl Defining Cream, j'arrive pas à parler. Franchement, ce produit-là, je trouve qu'elle est incroyable. Par contre, ils n'utilisaient pas beaucoup. Il faut vraiment un peu. Ils disent que c'est pour les twists, les twist-out, pour the frizz fighting, no flake. Donc, il dit qu'il n'y a pas de résidu blanc, ça hydrate vos cheveux, ça réduit en fait tout ce qui est nœud, etc. Par contre, ils disent que lightweight, ils disent que with build up with this lightweight hydrating formula. Écoute, non, moi je dis que c'est pas du lightweight. Franchement, ça c'est écrit crémeux. Gars. Donc, quand je dis lightweight, je trouve pas quoi. Par contre, le truc est hyper thick. Maintenant, je dis c'est thick de chez thick. Et encore une fois, ça sent super, super bon. J'ai l'air super fatiguée quand même. Ça perd super bon. Moi, je trouve dans mon cas, j'ai de la définition. Je n'en ai pas énormément par contre. Par contre, je trouve que ça fait quand même son travail. J'ai quand même de la définition. J'ai pas une masse de définition. Par contre, j'ai remarqué que quand j'ai défait mes boucles, mes cheveux séparaient très facilement. J'avais pas l'impression. Et sachant que ces temps-ci, je ne démêle plus mes cheveux avec une brosse. Je le fais à la main parce que je trouve que ces derniers temps, je trouve que c'était trop agressif sur mes cheveux. Donc, de temps en temps, je peux le faire, mais pas à chaque fois. Mais franchement, là, je trouve que mes cheveux sont hyper définis, quoi. Mais définis. Et je fais un braid-out comme d'habitude, rien n'a changé. Alors ça, comme je vous ai dit, je l'ai eu à 13 euros et quelques. Et le pot est énorme. Mais c'est énorme. Regardez les contours de mon visage, c'est énorme. Vous avez en gros 454 grammes en fait de produit, ce qui est super parce que ça fait son travail, ça hydrate les cheveux, les ingrédients sont vraiment pas mal et encore une fois on vous précise tout ce qu'il n'y a pas dans ces produits, donc la même chose, parce que c'est exactement pareil que ça, je regarde pour voir si c'est exactement les mêmes choses qu'ils n'ont pas. Donc, pour les gens qui ont des cheveux assez épais comme les miens ou qui ont encore plus de cheveux, vous allez le faire selon vos besoins. Vous allez le mettre au fur et à mesure. Pas besoin de mettre énormément. Vraiment pas besoin de mettre beaucoup. Mais franchement, ce truc, elle est super. Et pour les gens qui ont les cheveux crépus comme moi, c'est ce qu'il faut en fait. Et elle est hyper épaisse. Ça ne bouge pas. Ça fait son travail. Et même quand vous mettez beaucoup sur les cheveux, vous allez... Il n'y a pas vraiment de résidus. Il y a sûrement un peu quelques endroits dans mes cheveux qui sont blancs. Il y a des points blancs. Mais c'est pas énorme. Ce n'est pas genre le truc où tu dis qu'on voit que ça, qu'il y a énormément de résidus. Quoi. Là, mes cheveux. Par contre, mes cheveux, c'est ce que j'aime beaucoup. C'est la tenue. C'est l'hydratation. Mes cheveux ont l'air hydratés, doux.
Franchement, mes cheveux ont l'air mais super. Mes cheveux, je sens le produit, ça sent bon, c'est pas désagréable. Par contre, si vous aimez pas des produits qui sont forts, c'est pas pour vous. Parce qu'effectivement, moi je sais, j'ai pas mal de produits chez moi et comparé aux autres produits que j'ai, ça fait partie des produits qui sont forts. Franchement, ça fait partie des produits qui sont super forts dans tous les produits. Parce que d'habitude, certains produits, ça sent, il y a une odeur, mais c'est pas super fort. Sauf que là, on le sent. Parce que même après avoir appliqué ça sur mes cheveux, je le sens toujours. Après, est-ce que je le sentais? Je le sentais pas sur une semaine. Mais ce que j'ai remarqué sur la semaine, quand j'ai appliqué le produit sur mes cheveux pendant une semaine, franchement, pendant une semaine, mes cheveux étaient juste hydratés. Franchement, le seul truc que j'ai fait sur mes cheveux, c'est que j'ai mis du gel parce que je voulais, j'ai dit, hein, je voulais un bon. Hein, parce que certes, ce produit définit les boucles, mais ce n'est pas des produits où vous allez appliquer pour maintenir en fait votre. Comment on appelle ça? Pour maintenir en gros. Vos boucles en fait, c'est pas des produits qui devaient vraiment tenir vos boucles. Je voulais mettre mes cheveux en un, donc j'ai dit, bon, tu sais quoi, je vais mettre en fait un gel, le gel de Madame Marico. Donc j'ai commencé à appliquer le cheveu et mes cheveux facilement s'est mis et étaient en comme ça. C'était pas difficile, rien du tout, parce que mes cheveux étaient hyper hydratés. Donc je me suis dit, tu sais quoi, bon, ok, ben déjà ça c'est pas mal, ok, ça marche et tout. Je vais regarder sur le long terme et pareil. Même si j'avais mis mes cheveux en un, deux fois, je pense, sans ajouter du gel, mais j'ai juste mis un peu d'eau comme ça, clac, clac, pour mes cheveux en un. Et franchement, j'ai trouvé que j'avais exactement le même visage que le premier jour. Mes cheveux étaient encore hydratés. Parce que j'ai mis de l'eau, ça comme si ça avait réactivé les boucles, ou réactivé le produit. Et j'ai réussi à prolonger, en fait, à prolonger mon hydratation. Donc c'est quand je dis ça, je dis que le produit ça marche. Franchement, c'est pas mal. C'est pas souvent qu'on a des produits comme ça qui fait son travail, qui est correct. D'accord, c'est rare. Mais franchement, cette marque, je vous recommande et à fond. Surtout, je trouve que ça, c'est les deux. Après, c'est les deux produits. Je dis ça, mais j'ai testé que ces deux produits-là. Mais moi, je trouve les deux produits qu'il faut acheter dans la gamme, si vous voulez vraiment tester cette gamme, c'est ces deux-là. Si vous avez mes cheveux, vous avez mes cheveux, en fait, mes types de cheveux. Même si vous avez du 3-4, après, je dis que pour moi, ça, c'est juste mon avis, le 3. Pour ce produit-là, je trouve que c'est lourd. Mais bon, après, ça dépend des gens. Il y a des gens qui ont des cheveux 3, qui ont besoin de changement d'hydratation. Mais franchement, je trouve que cette gamme, elle est juste top. Et ce que j'aime beaucoup avec la gamme, c'est le packaging. Ça me rappelle en gros le packaging de la marque Maëlle Organics. Pourquoi? Parce que c'est le même. Ils ont fait en fait des produits avec l'ingrédient Pomegranate. C'est les mêmes types d'ingrédients, sauf le passion fruit, lui, la fille de la passion. Mais franchement. Je trouve que c'est bien, même la différence entre celui-là et le Pomegranate Leave-In Conditioner ou le Pomegranate de la marque Maëlle Organics, c'est que ça hydrate encore plus les cheveux que la marque Maëlle Organics, si vous comprenez ce que je veux dire. Si vous voulez, un jour, je ferai une vidéo où je vais comparer les deux marques de la marque Maëlle Organics et la marque de cette marque, bah, comme vous voyez les deux marques ensemble, mais franchement je trouve que dans les deux cas ils sont super et j'aime beaucoup les gammes ou les excuse-moi j'aime beaucoup les produits ou les marques de produits qui restent dans le même thème en fait, parce qu'effectivement c'était pareil pour la marque Maëlle Organics, leur couleur c'est le rose, ils restent dans le rose même si c'est du rose fort ou clair ou peu importe, mais ils restent dans leur couleur en fait. Pareil pour la gamme As I Am. As I Am, la couleur de As I Am, c'est le rouge ou le bordeaux rouge. Et ils sont restés quand même dans le rouge, le bordeaux. Ils n'ont pas essayé de faire un autre ton complètement différent comme certaines marques que j'ai vues sur le marché. On ne va pas parler de nous. Mais ils sont vraiment restés dans leur couleur, dans le packaging qu'ils ont l'habitude d'utiliser. Bien sûr, il y a deux, trois choses qui ont changé. Mais je trouve que dans tous les cas, cette gamme, elle est juste indispensable. Et si vous recherchez vraiment tout ce qui est hydratation, c'est ce qu'il faut. Ça, vous n'êtes pas obligé d'acheter
acheter ce produit-là si vous n'en avez pas besoin. Moi, c'est juste que j'aime tester des marques, j'aime tout ce qui est produit, j'adore tout ce qui est produit. Je vais être honnête avec vous et j'aime quand mes cheveux sont, me demandent de prendre soin d'eux. Par exemple, là, mes cheveux sont vraiment bien et je sais que ça, sur toute la semaine, ça a duré comme ça en fait et ça fait du bien. Donc, je vous filmerai pas bien sûr parce que je l'ai déjà fait. Excusez-moi pour l'ombre. Sorry for the. Excusez-moi pour l'ombre. J'essaie de. J'ai le soleil qui tape là. Excusez-moi les filles. Hein. Mais écoute, I can't do better than that. Donc, mais franchement, merci. Ah oui, ce que je voulais dire, c'est que j'ai vu que j'ai 385 abonnés sur ma chaîne. Franchement, les filles, merci énormément pour les gens qui me suivent, pour les gens qui regardent mes vidéos. Effectivement, je voulais en gros faire des vidéos en français et en anglais, mais j'ai vu que des fois, j'ai l'impression que vous préférez les vidéos en français parce que j'ai pas mal de personnes qui me regardent. Mais j'ai décidé de reprendre mes vidéos comme avant, où j'ai dit séparer vraiment les vidéos français et les vidéos anglais, c'est mieux parce que c'est un peu. Ça rend la confusion et j'ai pas envie de vous dire que vous soyez comme ça pendant ma vidéo. Alors, je comprends pas ce qu'elle dit. Ou ah oui, elle passe en français, en anglais, c'était trop confus. Voilà. Donc, de tous les cas, je vous fais un gros bisou. Merci beaucoup pour votre soutien, pour les personnes qui regardent mes vidéos. Et je vous fais un gros bisou et on se retrouve dans une prochaine fois dans une nouvelle vidéo, les filles. Bye guys, à bientôt. Bye.